Salut à tous, je vais vous montrer dans cette vidéo le fork agressif et haineux et vengeur par définition. Un fork est soit agressif, ça veut dire qu'il n'est pas désiré par l'équipe d'origine, soit il est amical et c'est pas un problème. Mais là, je vais vous montrer l'exemple parfait du fork agressif. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du projet AMAR, c'est Arch Linux Manjaro Alternative Repository. C'est un projet développé par Tuxenvap pour proposer certains logiciels qui sont chiants à installer. Voilà, c'est précisé. Là, je vais passer en mode lecture, ce sera plus agréable. Voilà. Voilà, donc vous voyez, c'est le projet Amar. C'est pour des projets, pour des logiciels comme Zoom, comme Discord et compagnie, qui sont assez chiants à être installés. Ou des projets qui ont été virés d'AUR par des intégristes, des Trusted User à brin intégristes, parce que c'était marqué Manjaro dedans. Donc ça, c'est dit. C'est un projet qui existe. Mais malheureusement, en utilisant la liberté de forker le logiciel, on est tombé sur un fork agressif. Je cite MUR, Manjaro User Repository. J'ai créé un dépôt sur GitHub. Ouais, en réalité, tu as violé du code. En fait, tu as récupéré du code sans le consentement des développeurs. Bref. C'est notre ami LiberoDark, qui a été à une époque membre de Tuxenvap et qui a été viré pour des raisons diverses et variées. Bref, je vous mettrai tous les liens dans le descriptif. Et si on regarde le code de Mur, on s'aperçoit que c'est simplement, purement et simplement, du viol. Enfin, du viol entre guillemets, bien sûr. Parce que si on va sur mur.pi, qu'est-ce qu'on va marquer? Manjaro User Repository, et thanks to Baba, Fredo, Bibi, Raylix, Frankie, etc. En clair, c'est purement et simplement la copie pure et simple de l'installateur Amar. Même si. Je reviens en haut. Même si c'est précisé. Voilà, vous avez. Voilà. Mur est désactivé alors que c'est simplement Amar. Donc vous voyez, c'est simplement, purement et simplement, la copie conforme du code avec juste un CTRL-H, CTRL-F pour remplacer Mur par Amar. À part ça, c'est du développement. Donc là, voilà. Manjaro fork. Mais GitHub d'Amar existe. Et je vous montrer le fichier Amar à l'origine. Alors, Amar, voilà. Alors, GitHub, ça ne va pas Amar. Voilà. Et vous allez voir le contenu d'origine. Donc, LiberoDark, tu es un voleur. Voilà. Et tu te sers d'un GPL pour justifier ton vol. Voilà, donc là, on va attendre quelques secondes que ça charge. Désolé, j'ai pas mal de trucs en parallèle. C'est désolé pour la lenteur de la vidéo. Wait. Et si on regarde le code d'Amar. Le code d'origine, projet Amar. Voilà. Je n'irai pas plus loin pour des raisons pratiques, mais vous voyez que c'est strictement le même fichier qui a été forké. Et Amar a été remplacé par Mur. Modification, 30 secondes. Bravo à la compilation, bravo à la recherche. Donc, je vous mettrai tout dans le descriptif. Donc, Monsieur LiberoDark, tu es un voleur, je te le dis en face, tu es un voleur. Et tu es un copieur et tu as voulu te venger du projet. Sache que ça se retournera contre toi un jour ou l'autre. Sur ce, je vous laisse. Je m'excuse de m'être énervé, mais en ce moment, j'ai des emmerdes qui me tombent sur la gueule. Je vous dis salut à tous, à la prochaine, et mort voleur! Salut, LiberoDark!